2000 personnes assistaient au culte d'ensemble au sein du hall de la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne internationale à Etoukébé, pour clôturer la première édition de l'école des implanteurs des églises ce dimanche 16 juin. Nous sommes débordants de joie. Le Seigneur nous a visités. Yaoundé est devenu un peuple totalement nouveau. L'école des implantations des églises qui a été organisée par l'équipe de conquête sous la supervision de l'organe de direction nous a permis de rassembler le premier jour 180 participants. Donc les choses ont commencé timidement. Mais le deuxième jour déjà, c'est-à-dire le vendredi, le Seigneur nous a visités et il y avait déjà 350 participants dans la salle. Ce jour-là, spécialement, le Seigneur nous a enseigné sur notre fondation, sur notre ministère, en insistant sur la fondation de l'Église, la fondation de notre ministère, la vision, le but, le ministère, l'œuvre, la mission, le rôle de chacun dans la CMC. 4 jours déjà que les implanteurs des églises sont venus ici, de 13 localités, en plus des églises de Yaoundé et de la province spirituelle des universités, PSU. Depuis ce jeudi 13 juin à 18h, les frères ont rendu ministère au Seigneur par les chants de louanges. Ils ont reçu aussi ministère de l'hôte et enseignant, le pasteur Jean de Dieu Watii, prédicateur principal de la dite session. Le pasteur a suivi la planification des heures des enseignements annoncés et il a suffisamment enseigné. Le Seigneur nous a donné chaque individu, chaque famille et chaque maison de cette ville. De notre route grosse, each individual, each family and each house is done. Pendant l'étrange horaire prévu pour les ateliers entre le jeudi 13 et le samedi 15 juin, 25 groupes de lecture ont parcouru le livre qui a été retenu pour cette session, Dans la puissance d'un autre, ouvrage de Zacharias Tanefomon. Le suivi de ces ateliers était minutieux. Nous sommes en train de faire des travaux en atelier, nous avons 25 groupes là, on les distribue les documents de travail en fait. Oui, donc nous avons nos frères qui sont partis en mission en Chine pour acheter le papier pour les éditions DTF. Nous avons prié pour eux. Nous avons prié par rapport aux messages qu'on a reçus depuis le début. Nous avons également prié pour déraciner les idoles de nos vies, de nos cœurs. Et puis, on va également faire la mise à jour de ceux qui n'ont pas eu la REMA 2024. On a distribué également ces documents. Ce sont des documents pour nous permettre de pouvoir travailler plus aisément en fait. Les étudiants de cette première session de l'école des implanteurs des églises étaient les dirigeants de Yaoundé et de 13 autres localités aux environs de Yaoundé et en dehors. Les nations étrangères ont suivi tout autant la rencontre. Au-delà des décomptes des statistiques, dans la salle du hall de la CMCI à Etoukébé, 1114 auditeurs en ligne et dans 14 nations ont suivi cette première session. À partir du premier jour, les frères des églises de Yaoundé, la méga église et de la PSU, ceux aussi qui sont venus de Bafan, de Tchan, de Mbeloa, de Bingela, de Mbessa, de Ntui, de Mbam, de Mfou, de Koutaba, de Lobo, de Nkolnda, de Meanda, sont la matrice de l'auditoire à laquelle le pasteur Jean de Dieu s'est adressé tout au long. Le deuxième jour, il a enseigné sur la stratégie d'implantation d'église. L'exposé de l'enseignant sur le contexte de l'œuvre dans cette rencontre lui a permis de parler de la fondation, la vision, le but, le ministère, l'œuvre, la mission, le rôle de chacun dans la CMCI. Au troisième jour, l'orateur s'est penché sur la place de l'assemblée de maison dans les desseins de Dieu. Par ricochet, il a montré la place de la famille dans les intérêts de Dieu et du royaume de Dieu. Ce dimanche enfin, la place du ministère aux enfants a remis à l'ordre du jour l'importance du ministère aux enfants. Le sérieux de cette séquence a permis à Jean de Dieu Watii de connaître, puis de présenter à l'assistance la nouvelle dirigeante des enfants de la province spirituelle de Yaoundé en la personne de la sœur Ebene Agathe. La résolution des 650 participants qui se sont engagés à implanter 9593 églises de maison a poussé les dirigeants de la Réunion
et l'enseignant avoir la main favorable de Dieu dans la poursuite et l'atteinte du but global de l'œuvre. Donc, par rapport au ressenti et par rapport aux objectifs de ce séminaire de formation sur les implantations des églises, je voulais marquer ma satisfaction totale. Parce que, il faut le dire, en tant que missionnaire, en tant qu'implanteur d'église, nous avons toujours une certaine fausse conception du travail que nous devons faire sur le terrain. Avec toutes les explications que le frère Jean de Dieu, Watching, est venu nous donner, avec toutes les lumières qui sont ressorties, nous avons compris que le travail que nous avons jadis fait, ce n'était pas du tout du travail. Nous avons été outillés. Le premier jour, il a planté le décor. Le deuxième jour, il a allé un peu plus en profondeur avec nous pour ressortir la responsabilité de chaque frère dans le ministère et par rapport à la vision que le Seigneur avait donnée au frère Zach et qui aujourd'hui est en train d'être poursuivi par le frère Théodore. Jésus-Christ est Seigneur. Les guérisons ont été multiples. On n'a pas pu compter. Parce que quand on a demandé qui est-ce qui a été guéri, il y avait une foule de mains qui était debout. Mais pour ce qui en est des conversions, ce qu'on a pu recenser, parce que c'est Dieu qui voit au cœur, c'est 177 convertis. Les enfants qui étaient en plus grand nombre, les jeunes et quelques adultes et vieillards qu'on a recensés. Les appréciations diverses des participants montraient la satisfaction des uns et des autres. Beaucoup de participants sont rentrés engagés résolument à implanter effectivement les églises de maison partout à Yaoundé et ses environs. La prochaine rencontre d'évaluation avant le mois de décembre permettra d'apporter les fruits comme le résultat de cette promesse des fleurs.